Et salut à tous, c'est Steph, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Safe House Diaries 2. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va essayer de trouver la dernière pièce qu'il nous manque, les Ignition Lead, pour pouvoir partir, parce qu'on a tout ce qu'il faut pour partir. On a tout ce qu'il faut pour partir, on a tout normalement dans les supplies qui sont ici. Voilà la batterie, fuel pump. Ici on a tout ce qu'il faut, carburateur, park plug. Il faudrait qu'on puisse faire déplacer quelqu'un, que quelqu'un puisse amener tout dans la maison là-bas. Ça pas embêté après pour partir. Dans cet épisode on va essayer de fouiller la maison qui est juste au nord en fait. Parce que j'ai fouillé au sud tout ça, mais j'ai pas juste au nord, j'ai pas regardé. C'est fou, la solution est devant nous. Voilà, j'ai réussi à traiter la blessure de Lara. Du coup, Lara est en pleine forme, tout va bien. On va partir du coup avec Lara en exploration. On va partir en exploration et venant d'ici, ouais, on va dans la plus grande, la grosse pièce. On va pouvoir savoir s'il y a du monde. Pire des cas, on pourra rentrer par là, ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On va déjà explorer ça. Ils font à bouffer. Ils observent. Ok, ok, bon, il y a quelques zombies, quelques nombres de zombies augmentent autour, mais bon, c'est pas non plus dramatique, et voilà, et Vincent a cuisiné un petit peu. Ok, si any zombie outside, aucun zombie à l'extérieur, une douzaine de zombies dedans. Pourtant, il y a une douzaine. Half a dozen, d'accord, une demi-douzaine. Une demi-douzaine de zombies, alors beaucoup dans la bathroom, dans le living room. On pourrait peut-être rentrer par la bathroom et la laundry. Avec un bel accent anglais. Ok, donc on va y aller. On va y aller. On va y aller. Alors, on fait la tactique du piège. Comment c'est au niveau des pièges? Ouais. On va faire la tactique du piège, on va y aller. Comme ça, on va laisser Vincent à l'arrière. Vincent, il garde la maison. On va pas prendre tout ça. On va pas prendre tout ça. On va pas rentrer par là. On peut être à 2 maxi. Hein. Et on va faire venir Lara par là. Comme ça, on pourra se... Ah ouais, mais là, il y a la porte qui mène directement là. Ça me fait peur. Ou soit on arrive directement là. Par la fenêtre, à 3 par la fenêtre, ça devrait le faire face à un seul zombie. Allez, on va essayer. On va essayer. Donc, la clôture qui tient, qui bloque les zombies. Et un blessé. Ouh, tout le monde a été blessé. Tout le monde a été blessé dans cette bataille. Beaucoup de zombies il y avait là-bas. On était blessé là-bas. Et combien? Une petite lacération, une petite lacération, et une petite lacération. Il est exhausted. Il y a des trucs à fouiller. Hop, on va faire ça. Pendant ce temps, je spot. Et Alfred, ce serait bien qu'il puisse poser des pièges, mais il pionce, donc on va le... Ok. Ok, alors, cook ingrédients, blablabla, blablabla. Aucun ingrédient, donc de la bouffe, des bandages. Spanner, ok, bon, pas grand chose. Hein. 5 snacks, des cooking ingrédients, 2 bandages. On va se mettre comme ça. On va continuer. Je spot, elle fouille. Cooking ingrédients, antibiotiques. Tadada, et Lara se repose. C'est pas du tout le moment pour se reposer. Je crois qu'il reste un petit peu à fouiller. Ouais, 86 complete. Je vais fouiller. Je vais fouiller une dernière fois. Et puis après on se casse. Et je me repose. Et du coup j'ai pas fini de fouiller. C'est le bordel. C'est le bordel. On pourrait se faire agresser par les zombies à n'importe quel moment. Moi je dormirai pas honnêtement.
Vincent, il va observer. Il peut faire des pièges. Il va nettoyer les corps avant. Non, non, il va peut-être d'abord fouiller. Observer aux alentours parce que. Donc les autres se réveillent. Ok, donc j'ai pris des antibiotiques, mais je suis toujours pas réveillé, bordel de merde! D'accord. Alors Alfred est prêt. Alors Alfred, il peut pas trop fouiller. Il va faire des pièges au nord. Maintenant c'est Vincent qui se repose. Vincent est très fatigué. Ah tiens, Lara est prête à bosser. Hop. On va faire des pièges avec Alfred. On va faire à l'est. Ouais. Ouais. Ouais, à l'est, ouais. Ok, alors, ouais. Des carreaux d'arbalète, et c'est tout ce qu'il y avait dans cette baraque. C'est tout ce qu'il y avait, ouais. On va faire les pièges, du coup, ça fera des pièges ici. Et on va laisser finir ces pièges quand même. Ok, hop, on va aller voir ce que ça donne au niveau de la map des pièges. Ouais, c'est bon. Allez, on revient tous là. On récupère tout ce qu'il y avait là-bas. On a trouvé pas mal de munitions. C'est pas mal, des bandages. Des cooking ingrédients, simple meal, des snacks. Voilà, et on revient à la baraque. Petite action furtive. J'ai de la fièvre. Lara a de la fièvre aussi. On va devenir des zombies. Non, il n'y a pas dit qu'on était infecté, donc. Et on a des lacérations, tout ça. Alors. Ce serait bien de traiter les gens. Qu'est-ce qu'on a comme supply? On a 5 bandages. Ouais. Ouais, on va traiter les gens. Salut. Alors, non, on peut pas faire bouffer. On va demander à Alfred qui spot. Je préférerais la soigner, Lara. Ah, oh, bah ça va. J'ai réussi à soigner tout le monde. J'ai utilisé 3 bandages pour soigner tout le monde. Impeccable. Est-ce que j'augmente mes compétences de tweet? Non, pas du tout. Pas du tout. Oula. Il fait jour et on voit qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de zombies. Et on voit qu'il y en a dans les maisons au sud. On voit que là, il n'y en avait pas beaucoup. Là, il n'y en a pas de beaucoup. Là, il y en a quand même beaucoup autour de cette maison-là. On n'avait rien laissé ici. Si, on a laissé plein de trucs. Ouais, des splints, on s'en branle. Des sponges. Ouais. Ouais. Il a pas l'air d'y avoir beaucoup de zombies par ici maintenant. Est-ce que ça vaudrait le coup de revenir en bas? On pourrait essayer de se déplacer dans les en bas. Ça pourrait être une bonne technique. Ouais, ici, il n'y avait pas assez de fournitures pour pouvoir faire une barricade. On pourrait déjà passer par ici. Il y a beaucoup de zombies là. Ce qu'il nous faut fouiller, c'est certaines maisons en bas. On a les deux là et on a les deux là-haut. À fouiller, j'espère qu'on trouvera ce qu'on cherche d'ici là. Là, si on pourrait partir d'ici, ce serait assez intéressant, même si quoi, ça revient même. Hein. Même si là, il y a moins de zombies en passant par là que. Allez, on va envoyer Lara. Et moi-même. On va partir en explo. Non, pas Alfred, Lara. On va partir en explo. Approach direction. On va partir par là, ouais. On va venir de là. On verra bien. Ici, qu'est-ce qui reste? Il reste Cook, P. Vincent et Pionce. Pas vrai? Allez, on y va.
Et so many zombies outside. Et so half dozen of zombies inside. De la bouffe. Alors, un piège a tué quelques zombies. Il pourrait y avoir de la bouffe. On a exploré de par là et par là. Donc, si on va dans la laundry, normalement, c'est bon. Peut-être dans la bedroom, ça doit être bon. Bon, on n'y voit qu'à deux. Il y a juste... Ouais, mais c'est bien de placer des pièges. Il n'y a pas de pièges en plus en bas. Donc ça serait bien d'envoyer aussi Alfred, puis ça fait toujours une main de plus. Allez, on va tenter de breach. De toute façon, il faut prendre des risques, hein, maintenant. Il n'y a pas à chier, il faut prendre des risques. On va prendre deux antibiotiques, on ne sait jamais. Même trois. Et on va breach... on peut breach les trois d'ici. Ouais. Normalement, d'ici, ça devrait aller, parce que c'est plus qu'ils sont passés en bas. Il n'y avait personne en bas, donc si on peut breach de là, même si ça revient à aller là au sud, et si on tourne vers le sud comme ça, ça doit pouvoir le faire. Allez, Vincent est prêt à bosser, donc Vincent, direction la cuisine. Au travail, pendant que l'équipe de choc est partie, encore des blessures, mais pas de mort. On est arrivé par là, ouais, beaucoup de combats là. On a tué 11 zombies. Alfred a été blessé. Et la fièvre de Lara est partie. Bon. Hop, on va fouiller avec Lara. Je vais spotter. Pendant qu'Alfred va faire des pièges direction sud. Puisque direction sud, c'est là où il y a le plus de zombies. Oh, attention l'agression. Oh là, il y a beaucoup de zombies. Ok, alors j'ai donné du skill de défense à Lara. D'accord. 24 zombies. Et Lara a été blessée dans le truc. Lara a été blessée dans le combat. On a tué 24 zombies puisqu'ils ont attaqué la maison. Allez, bientôt on finit de fouiller à combien de pourcentage? 75%. Il faudrait vite finir de la fouiller. Machete shotgun, so, ok. Ok, donc il a passé des pièges au sud. Hop, je voudrais voir. Ouais, ça c'est bien. Alfred, sud, à l'est. Ouais, j'aimerais bien placer à l'est parce que je vois qu'il y a beaucoup de zombies par là. À l'est et à l'ouest, au nord c'est pas forcément utile. Donc Lara finisse de fouiller. Ok, Alfred, ok, donc y a rien ici. Il n'y a rien qui a été trouvé ici. Beaucoup de zombies vers le sud. Mais il y a beaucoup de pièges dans le secteur. Est-ce qu'on tente la... Tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de breach. On va tenter de breach par là. On va récupérer tout ce qu'il y a à récupérer. On a une body armor. Je vais prendre la body armor. Je suis la fille à la rein. Elle protège bien. Voilà, hop, elle protège bien. Comme ça, elle sera bien protégée la rein. Ça, on s'en fout. Puisque normalement, c'était un secteur safe. Comme ça, on part d'ici et de là, déjà, on fait des pièges autour. Parce qu'il n'y a plus de pièges. Il y a plus de piège aussi là-haut. Et puis de là, on part essayer de fouiller la maison à côté. Et comme ça, on rejoint Vincent après qui ramène tout à la maison là-bas. Il faut qu'on le fasse ramener là-bas aussi. Il a cooké un simple meal. Pas de zombies à l'intérieur, c'est bien. Donc un piège expérimental a tué pas mal de zombies. Ça, c'est bien. Donc on est en sécurité, on est safe. On va faire des pièges. Des pièges dans le sud, ouais. Je vais spotter. Et Lara va nettoyer en attendant. C'est fortifié, mais on peut faire... ah oui, parce qu'on peut faire un sniper nest. Ok.
Alors, on est deux à se reposer. On peut se reposer ici. On va envoyer encore Alfred. On va regarder un peu ce que nous dit la map, ouais. On va envoyer Alfred mettre des pièges à l'est. Ok. Dans les pièges, certains marchent, d'autres pas du tout. Hein, voilà. Mais bon, on a mis des pièges, on a piégé un peu la zone là. Il y a beaucoup de zombies autour là. Et oui, c'est normal, on avait fait la diversion ici. Il y a beaucoup, beaucoup de zombies, dis donc ici. Il a fini Vincent là, ouais. Alors Vincent, il va breach à la maison de base. Est-ce qu'il peut avoir une meilleure arme que ça? Combat crossbow. Modifié de sledgehammer. Il va prendre ça. Il va prendre la crossbow. Il va prendre les bandages, les antibiotiques, les splints, les cookies ingrédients qui restent. 79 snacks. Ça pèse rien. La batterie et ça. Il va prendre ça et la mope. Parce que bon, ça n'a aucun intérêt de prendre ça. Le modifié de sledgehammer qui pèse trop lourd. Ouais. Et un, non, même pas un simple mille. Parce qu'il pourra pas récupérer 13 sur 12. Du simple mille seulement. Voilà. Et là, il est full. Il repart jusqu'à là-bas. Ah oui, merde, il a pas de munitions. Ah, si. 50 carreaux d'arbalète, ça doit être pas mal quand même. Putain, on a beaucoup de munitions. 50 carreaux, 168 munitions de pistolet, 150 munitions de fusil, 114 balles de shotgun. On a des munitions, mais on n'utilise pas beaucoup les armes en fait. On va repartir à la maison là-bas. Il faut se barricader, faut repartir là-bas. Ici, Alfred, s'il est toujours là, eh bien, il va continuer de poser ses pièges. Pas de zombies à l'intérieur et Vincent qui se repose. Et que se reposer, Vincent? Alors attends. Trois cooking ingrédients, il peut faire un simple meal. Il pourra faire un simple meal quand il sera réveillé. Quand il sera réveillé, on le refera repartir ici récupérer du matos. Il faudrait qu'on y aille tous récupérer du matos. Allez, Alfred, il va continuer ses pièges. Alfred is resting et il a fini de faire ses pièges. Donc il y a des pièges tout autour de la maison. Il y a des pièges partout dans la ville en fait. Et tout le monde pionce. Ok. Donc il y a la clôture qui. Il retarde les zombies ici, mais normalement Vincent qui fait pas de bruit, il devrait pas être inquiété du tout seul. Ma fièvre s'est enlevée. Un premier piège n'a pas tué de zombies, un deuxième en a tué une douzaine, un autre une douzaine, et un autre a tué une douzaine. Bon bah ça fait beaucoup de zombies en moins ça. Tout va bien. Allez, maintenant je suis prêt, je vais juste spotter, j'ai plus de fièvre, alors moi c'est tout va bien. Va bien alors que les autres sont blessés. Lara est prête aussi à bosser. Il y a encore pas mal de zombies autour. Est-ce que Lara, je lui fais faire une petite sortie pour aller spotter la maison? Ouais, j'aimerais bien passer par là, peut-être par la bedroom, la kitchen. Donc, on va essayer de passer par là. Ok, donc des pièges toujours hein, qui s'activent mais qui ne touchent pas. Celui-là n'a pas touché. 5 AM, on est à 6 AM, donc on est ici. Donc le nombre de zombies augmente. Là, là, là. Un piège a tué une douzaine de zombies. Un autre piège n'a pas tué de zombies. Un autre piège n'a pas tué de zombies. Un autre piège n'a pas tué de zombies. Un autre piège a été détruit. He's struggling to make repair. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait?
Vincent, il se fait chier. En gros, ça veut dire ça. Vincent, il se fait chier. Non, il va pas nous faire un simple mille. Il va revenir ici. Il va breach. Il va breach, mais il va... Non, mais ça pèse rien, les carreaux d'arbalète. Donc, il va tout prendre. Ça pèse rien. Il va repartir là-bas. Il pourra porter 12. Donc, il va revenir avec des armes et tout ça. Lara, non, elle a pas encore fini de... Ok. Alors, je suis inquiet du concernant le manque de nourriture. Mais c'est normal, c'est pas notre base de nourriture. Donc, il y a des pièges. Il tue des zombies. Qui tue quelques zombies, qui tue beaucoup de zombies. Pas mal de zombies à l'extérieur. Et a few zombies inside. Quelques zombies à l'intérieur. Ouais, on va y aller. Je crois qu'on va y aller qu'à deux. On va y aller qu'à deux, je crois. On va demander à Alfred. Non, mais il se repose, Alfred. Il se repose, Alfred. Est-ce que j'y vais tout seul? Body, elle a quand même une bonne protection au niveau du corps maintenant. Donc, je vais y aller avec Lara. On va breach. On va breach dans la kitchen, ouais. Ouais. On va breach dans la kitchen. Comment ça pèse, ça? 6? Ah oui, ça pèse beaucoup. Combat drill. Non, si on vient, c'est au pire, c'est avec une machette. Hein. Comme ça, Laura, elle... Ça lui fait une arme en plus au corps à corps. Ok, donc Alfred est toujours en train de pioncer. J'ai peur que ça se passe mal. Ça va. On est rentré par la kitchen, on a tué 18 zombies. J'ai été blessé. Ah, j'ai pas eu l'écran comme quoi j'ai été blessé. Ok, donc... Attends, il y avait un truc là. The storm is coming. Alors, d'accord. Une tempête... Une tempête arrive, les zombies vont entrer dans les endroits non sécurisés. Où ils vont changer... où ils changeront leur position dedans. Donc ça veut dire que ils vont venir nous faire chier. On va envoyer Lara. Je vais spotter pendant ce temps-là. Dernier endroit fouillé, 56%. Vincent est ici. Vincent va repartir là-bas avec l'ordre de breach. Avec breach, avec tout ce qu'il peut. Ça, on n'en a plus besoin normalement. La bouffe, parce que la bouffe, il nous la faut. Il va tout prendre en bouffe. Hein. 48 sur 12. Oh putain, cette pénalité. Ouais, ça fait quand même beaucoup, quoi. Qu'est-ce qui pèse aussi lourd? Le modifié de Sledgehammer, déjà. ...23... ...18... ...12 sur 12, ouais. Que cette bouffe, ben non, ça va lui prendre un petit moment avant de faire ramener tout. Ça va lui prendre un petit moment. Donc on est là, Oula, attends, on avait déjà avancé d'une page. Donc elle avait trouvé ça, ben elle a trouvé ça. Ok, donc on avait... hop, hop, il y a des pièges donc. Qui ont fait leur office. Lara a trouvé une éponge, painkiller, cooking ingredients, des snacks, des munitions de pistolet. Ok, donc j'ai pris des painkillers. Ok. Elle a bouffé un large meal et tout snack, d'accord. Elle a bouffé un grand truc de... Non, ils ont bouffé tous les deux un grand truc.
Un truc à bouffer et deux snacks. Ok, bon, ça. C'est bon. 43 Ward Street. Alors, Alfred, c'est quoi les pièges? Ah oui. Ouf. Beaucoup de pièges ont été détruits. Mais du coup, il y a beaucoup de zombies en moins. Ah, j'ai été gravement blessé en plus. Ouh. Non, ça va. Alfred, il a de la fièvre, mais ça va. C'est pas encore. C'est pas une infection. C'est pas une infection. Alors, c'est fouillé à quel niveau là? Quel pourcentage? C'est 100% fouillé. On se casse. On va passer par là. On va bleacher. On va prendre la machette, hein, tout ce qu'il y a. Ingrédients, des snacks. L'éponge, si ça te fait plaisir. On va essayer de faire une massive. Ouais, allez, on va faire une grosse extraction pendant 2 heures. Et puis après, on va repartir. Il va partir direct à la maison, lui. Direct à la maison, sans problème. Vincent, il va revenir par là. Il va prendre, ouais, la moitié, ça devrait aller. Putain, ça m'a fait peur ce bruit. Alors, j'avais déjà avancé tout ça, dis donc. Tout a été fouillé, nanana. Ok, blablabla. Toujours, c'est nos zombies inside. Ok. Ok, donc il y a pas mal de pièges qui se font détruire. Est-ce qu'il reste là, Alfred? Ouais, ça fait déjà une bonne distraction. Donc je pense qu'Alfred, il va se barrer. Il va prendre le Magnum, il va prendre tout ce qui reste ici. Voilà, il se casse. Ok, donc on s'est rejoint tous ici. Il nous reste plus que quelques options maintenant. Soit les deux maisons là, soit les deux bâtiments là. Et le pire des cas, ce serait les deux là. Pour trouver un seul truc. Pour trouver juste le ignition LED. Sachant que je suis quand même plutôt bien blessé. Donc là, on va tous repartir. Là, on va essayer d'embarquer un maximum de choses. Déjà toutes les munitions. On a récupéré éventuellement la bouffe. On est pas en dépassement de beaucoup. On va récupérer déjà que ça. On va faire quelques allers-retours. Parce que du coup, dans la maison ici, il y a de la bouffe quand même. Hein. 10 simples, 1092, 93 snacks, 3. Il y a quand même de la bouffe. Alors c'est vraiment si on a besoin, on pourra revenir là. Le truc c'est que... ici, il y a des armes. Il y a des armes, alors je sais pas si on va pas lâcher la bouffe. Ingrédient, ça, on peut le prendre. Je sais pas si on va pas prendre des armes, un assaut rifle. 357 Magnum. Et puis après, voilà, on va prendre. Voilà, on va prendre un petit peu de bouffe. Un petit peu de bouffe et les armes qu'il y a là-bas. Et on est parti, et tout ce qu'on peut prendre qui pèse rien aussi. Les snacks. Après, tout pèse quelque chose, hein. Ouais, tout pèse quelque chose après. Et on est en surpoids de 18. Ah, parce que la mop pèse 3. Ok. Bon, on va laisser la serpillière là-bas. Et on va repartir. Ils ont fait tout le trajet en un tour. Ils ont couru comme des fous. Bon, là c'est bon. Je vais essayer du coup. Ouais, les pièges.
Les pièges, les pièges, les pièges, parce que là, il n'y a plus sur le côté, donc piège, c'est direction est. Pendant ce temps, je vais essayer de me traiter. Je me traite, salaud. Il ne reste plus que deux bandages. Vincent, il va faire bouffer. Et Lara, elle va, merde, elle va nettoyer. Vincent, il fait bouffer. Ah. Qu'est-ce qui se passe encore? Trad clean supply for some weapon, tu te fous de ma gueule? Sender away. Vous voulez des trucs pour nettoyer contre des armes? D'accord, donc j'ai réussi à me soigner moi, à soigner Lara, mais j'ai échoué à soigner Alfred et du coup ça a utilisé la bandage. Ah, Lara s'est remplacée de park, véhicule park plug. Qu'est-ce qu'il a, Vincent? Il est démotivé. Pourquoi tu es démotivé, mon petit Vincent? Il est démotivé, mais pourtant on a presque tout, mon petit Vincent, on a presque tout. Il nous manque juste que le ignition LED. Ah oui, en plus ça me marque réparation 20%. Ah oui, fixed, parce qu'il faut que... Will automatic make repair when is idle. Ouais, quand ils ne font rien, répareront automatiquement. Pourtant, Vincent, il n'a pas réparé. Foiré, salaud. Moi, je suis drogué comme c'est pas permis, tu sais. Du coup, j'ai un méga boost de bridge, là. Ça me fait être un super bon bridge. Du coup, je vais y aller seulement avec Lara s'il faut bridge. Lara, d'ailleurs, et la pièce, on va partir ensemble. On va aller explorer la zone qui est là. On pourrait passer par là, par là. Mais si on passe par ici, on a une vue de partout. Sans prendre de risque, donc on va passer par là. Beaucoup de zombies qui vont se masser sur le sud. On va demander à Alfred d'aller observer. Il y a la tour de guet. Ok, alors Vincent a fait un simple mille à cuisiner. Killing DD, ouais, ça a tué des douzaines de zombies. Et il y a un autre piège qui a été activé mais qui n'a pas tué de zombies. Pas beaucoup de zombies autour là. Assez peu. Autour de cette zone. L'investigateur est à la maison. Tadada, donc on a l'investigation sur la maison. Donc du nord, du sud et l'ouest. Et on a vu beaucoup de zombies à l'extérieur. So half dozen of zombies inside. Il pourrait y avoir de la bouffe dedans. Struggling to make repair, donc d'accord, elle n'arrive pas à faire la réparation. Ok, donc il y a des pièges qui tuent des zombies, d'autres qui n'en tuent pas. Beaucoup de zombies à l'extérieur, mais assez peu dedans. On pourrait rentrer par le lounge ou pour la, par la, par la bedroom. Ça me permettrait d'avoir une entrée par là, ouais. Tactiquement, ça me paraît être une bonne solution. Du coup, si Alfred ne fait, si Vincent ne fait rien, je suis plutôt Alfred. Il va rester idle pour essayer de réparer la voiture. Ok, bon bah finalement il se repose. Lara bouffe. Et pour le moment c'est tout. C'est tout, c'est tout. On va faire avancer un peu le temps. Puisque tout le monde pionce. On est en sécurité. Ok, donc des pièges tuent des zombies. Ça c'est parfait. Alfred est prêt à travailler. Il a fait des réparations mineures sur la voiture. Donc je vais le laisser bosser sur la voiture. Alfred, c'est quand même le meilleur, meilleur réparateur. Il a le meilleur truc de modify, donc je pense que c'est lui qui sera le plus à même de réparer cette voiture. Et on va attendre que les autres se lèvent. Alors, donc il a remplacé la pompe à essence. Un des pièges a été détruit. Et un piège a encore tué des zombies. Donc ça avance. Ça avance, ça avance. Fixed, fixed. Là, c'est plus que mettre la batterie, le carburateur. Et il nous manque l'ignition LED.
Vincent est prêt, alors Vincent ne fait rien, donc on va le faire nettoyer. Ok, donc Vincent et Alfred ont fait des réparations mineures. J'ai bouffé. Lara est prête à bosser. Ok, donc Lara et moi on est de plus en plus proches. Un peu plus proches. Donc un piège a tué des zombies, un piège a tué encore des zombies. Décidément les pièges d'Alfred sont plutôt efficaces et il y a encore moi qui pionce. D'accord, donc on a encore réparé. Je suis réveillé, on a réussi à réparer encore du véhicule. Le carburateur, il manque plus que rajouter la batterie. Mais avant ça, on va partir. On va partir en breach. Avec... non, à chaque fois je me trompe. C'est pas Alfred, c'est Lara que je veux. Et je veux une... qu'est-ce que... Ouais. Qu'est-ce que je pourrais prendre en plus? Je voulais peut-être... J'ai pas de machette? J'ai pas de machette, tant pis. Tant pis, tant pis. Donc on va arriver dans la maison. J'aimerais bien arriver par ici. Ça me paraît être un endroit le plus safe. On est arrivé par là, tatatin. On a tué 11 zombies et personne n'a été blessé, c'est magique. C'est magique. Lara va fouiller pendant que je spot. Et on va se mettre en quiet mode. De ce côté-là, j'aimerais que quelqu'un spot. Vincent va spot en attendant. Alfred travaille. Je crois que la maison a été attaquée. Alors on a trouvé un bandage. Le nombre de zombies augmente dans la maison. On a été attaqué par beaucoup d'endroits. On a tué 30 zombies. Et personne n'a été blessé. Un piège a été détruit. Alors un piège où, ouais. Sur le côté là, il y a beaucoup de zombies sur les bords de map. Hein. Pour l'instant, ça sort bien. Fouillé à combien de pourcents? Fouillé à 75%. Qu'est-ce qu'il y a comme supply? 357 Magnum, un bandage. C'est vrai qu'on en trouve beaucoup le 357 Magnum. Là, c'est un pistolet. Une machette, une truc de cuir. Da, 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 da. Donc elle s'est lavée dans la salle de bain. Alfred a fait des petites réparations sur la voiture. Alfred, je vais lui dire de faire des pièges à l'est. Ok, tout a été fouillé. Alors, les lacérations d'Alfred ont été soignées, ça c'est bien. Lara est toujours blessée? Non, elle n'est pas blessée. On va se casser maintenant. On va se casser, on va se casser, on va récupérer tout. Moi, bon, ça c'est un peu de la merde. Des cooking ingrédients, 12 cooking ingrédients, des snacks. Et on va récupérer aussi ça. Hein. Tant qu'à faire. Allez, on repart là, il reste plus qu'une seule maison à fouiller. Et la voiture est presque prête. Il a réparé la batterie. Et on n'est pas encore revenu. On va venir. Ok, donc tout le monde est revenu. La fièvre de Alfred est partie. Ok. Ok. Donc on est revenu dans la maison. On est tous là. Toutes les quatre sont ici. On est tous là. On a presque tout fait. Il nous manque juste cette saloperie d'ignition LED. Et il est soit dans cette maison-là, soit dans les deux derniers bâtiments. Sinon, c'est foutu. Sinon, c'est foutu. Sinon, on l'a vraiment bien profond. Parce que s'il faut qu'on aille attaquer ça, ça va vraiment être très très compliqué. Hein. Parce qu'il va falloir revenir par ici, là. Soit ici, soit à l'hôpital directement. Et attaquer par là. Bon, là, on a quand même tout sécurisé dans la zone. Donc, il y a moyen, il y a moyen. Il y a moyen. Il faut pas désespérer non plus. On peut toujours faire une diversion. Dans le pire des cas, ça peut toujours être utile. Et ici, il y a du supply, hein. On a encore des scopettes 357 Magnum, on a encore des armes utiles.
Mais bon, on verra ça au prochain épisode. En tout cas, on a bien avancé dans celui-là. On a fouillé tout le sud. Tout le sud, plus la maison qu'il y avait là-bas. Enfin, les deux maisons qui restaient là, la maison qui est là et celle-là. Il nous reste maintenant que ici. Et les deux là. Et les deux dernières. Et puis, on aura fouillé toute la ville. Donc, la solution est proche. La solution est là. J'espère qu'on survivra. Alors, on a encore un petit peu de supply, hein, de bandages. J'essaierai de un peu moins d'utiliser les bandages à venir. J'en ai quand même pas mal utilisé là. J'en avais beaucoup, j'en ai plus beaucoup maintenant. On a beaucoup d'antibiotiques, on n'a pas beaucoup de painkillers, mais on a beaucoup d'antibiotiques. Et là, on est tous en pleine forme. Et ça c'est cool. Et ça, c'est cool. Ça va nous aider. Pour la suite, du coup, j'ai plus mon bonus de breach. Bon allez, en tout cas on s'arrête ici pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Et je vous dis donc à la prochaine pour la suite de notre aventure sur Safe House Diaries 2. Allez, ciao.